Donc, je viens Stéphane, donc je suis un maraîcher donc à Secondigny. Même si on est en plein hiver, aujourd'hui vous avez du poireau, des carottes, des légumes racines, donc navets, rutabaga, panais, radis noirs, et après nous avons les épinards, les endives, on a de la salade aussi, on a de la mâche. Bien sûr, on récolte toutes les semaines, plusieurs jours par semaine, bien sûr, et on sème aussi régulièrement pour avoir toujours à peu près ce qu'il faut pour toute la saison d'hiver. Dès que la température baisse en cette saison, automatiquement les légumes poussent beaucoup moins vite. Donc on a plus de soucis pour récolter, notamment la semaine qui vient de passer où on avait dégelé le matin, donc on ne pouvait pas récolter en plein champ les poireaux, les carottes, tout ce qui est légumes racines. Et quand c'est gelé, ben, automatiquement on est obligé d'attendre que ça dégèle pour que si ça gèle le matin, récolter. Même sous serre, à la rigueur vers 10h, 11h, ça arrive à dégeler, donc on peut commencer à récolter sous serre. Et après l'après-midi, on passe au plein champ, parce qu'à des fois, l'après-midi, même en plein champ, on arrive à pouvoir récolter. Donc on essaye de jongler entre les deux. Ah ben, on arrive à gagner 5 degrés, donc c'est quand même un outil intéressant. Donc ça nous permet d'avoir des légumes. Plus on a de serre, plus on arrive à faire des légumes d'hiver, et c'est ce qui nous sauve pour pouvoir avoir de tout toute l'année. Hein. C'est grâce à ça aujourd'hui qu'on y arrive.